Député le 18 décembre dernier, le premier regroupement de la sélection nationale des moins de 18 ans filles de volleyball s'est achevé ce 31 décembre après deux semaines de dur labeur, mais de satisfaction. Et au terme de ce stage, j'ai un sentiment de grande satisfaction parce que nous avons passé quelques jours avec les enfants pour ces congés de Noël et le résultat que nous avons nous encourage à aller de l'avant. Parce que les enfants, le message est bien passé et nous sommes fiers de leur travail. Les fondamentaux techniques, techniques individuelles, l'esprit d'équipe et le jeu au poste ont constitué les grands moments pour ces jeunes filles afin de mieux peaufiner les échéances internationales à venir. Je crois qu'on doit encore beaucoup insister sur les fondamentaux. Quand je dis fondamentaux, c'est placement, déplacement, touche de balle, manchette. C'est vrai qu'elles ont produit un spectacle acceptable, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Cependant, il y a quelques-unes qui sortent légèrement du lot, qu'il faudrait prendre en main régulièrement. Et la chance que nous avons, c'est qu'elles soient toutes à Yaoundé. Et on peut facilement, chaque week-end, peut-être avoir deux séances avec elles, deux à quatre séances avec elles, selon leur disponibilité. Occasion pour Julien Serge Abouem de réitérer non seulement au staff technique, mais également aux joueuses, les ambitions de la Fédération camerounaise de volleyball. Pour ces dernières, l'atmosphère et l'ambiance étaient de mise. Pour moi, l'ambiance du stage était bien et j'ai appris à faire plein de choses. Comme l'attaque, j'ai appris à rendre ma manchette plus solide et j'ai appris aussi à corriger un peu ma touche. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du stage. Bon, comme je joue libéro et elles sont encore nouvelles, ne comprennent pas bien. C'est-à-dire, par exemple, quand après le service, il faut changer pour qu'elles partent en 6, parfois elles s'embrouillent et restent en 5. Et parfois, moi, ça me gêne ou bien le 6 reste trop avancé. Alors que moi, je dois défendre en 5 ou le 6 doit être reculé, ça me gêne. Mais à part ça, ça va, je m'en sors. Et pour l'ambiance du groupe, ça va. On bavarde beaucoup, c'est amusant et elles apprennent très vite et très bien. Le collège Johnson Sport Études, qui a accueilli la sélection nationale des moins de 18 ans filles, se met de plus en plus en place pour le bonheur des principaux acteurs. La première étape a donc été franchie et la suite s'annonce très bénéfique.